Bonsoir à toutes, à tous qui nous suivent sur Guinée Matin TV. Vous êtes les meilleurs, soyez les bienvenus ici à Mandiana, au tribunal de première instance de Mandiana, qui vient d'être érigé il y a de cela une année. C'est le tout premier procès criminel qui s'est tenu devant la population de Mandiana. C'est plus qu'une école pour certaines personnes, parce qu'il faut voir, beaucoup de personnes étaient là aujourd'hui pour savoir réellement quels sont les cas qui sont répréhensifs en matière criminelle ici en Guinée. Le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Mandiana, M. Diallo, on va le rencontrer tout de suite par rapport à la sentence. Hier, il y avait des débats houleux, comme vous le savez, par rapport à ces dossiers criminels où des avocats venus de Cancan ont tenté de défendre beaucoup de criminels qui étaient poursuivis sur 10 dossiers, 9 dossiers de vol sur mineurs. Mais aujourd'hui, on va vous dire que c'est seulement une personne qui aurait été acquittée. Les autres personnes ont été condamnées de 3 à 15 ans de prison ferme. Suivez-nous dans le bureau du procureur près du tribunal de première instance de Mandiana, le procureur de la République. Suivez-nous. Bonsoir, monsieur le procureur. Oui, bonsoir. C'était devant notre parquet hier, le dossier criminel, beaucoup de dossiers criminels dans le procès criminel qui a été organisé ici pour la première fois par le nouveau tribunal de première instance de Mandiana. Il y a eu beaucoup de condamnations. Il y avait 10 dossiers au rôle. Quelles ont été les sentences sur ces différents dossiers? Bien, je vous remercie. Parmi les 10 dossiers inscrits au rôle, comme nous l'avons si bien dit à l'audience, il y a beaucoup plus de dossiers de viol qu'autres dossiers. Et parmi ces dossiers de viol, au nombre de 9, il y a eu des décisions qui ont été rendues hier après tous les débats, parmi lesquels il y avait le dossier de Laïma Dississé, qui a été retenu coupable des faits de viol sur mineur. Il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement. Il y a Seydou Bayo, qui a été acquitté parce que les preuves ne tiennent pas. Il y a également Madou Koné, qui a été condamné à 3 ans d'emprisonnement. Et également le nommé Victor Kamano, qui malheureusement a rendu l'âme en détention à l'hôpital régional de Cancan. Il n'a pas pu être jugé, donc la peine de l'action publique étant prescrite, il a été donc désigné dans ce sens. Il y a également Sambou Kourouma, qui a aussi été jugé et condamné à 5 ans d'emprisonnement pour des faits de viol collectif. Ses co-auteurs ont écopé de 10 ans d'emprisonnement et des mandats ont été décernés contre eux à l'audience. Donc voilà un peu les sentences qui ont été rendues à l'audience du 15 juillet 2024. Merci, monsieur le procureur. Merci.